dans le même cadre des incidents qui ont encore mêlé la police. Et il y a quelques jours, il y a un autre incident qui avait toujours mêlé la police avec un des caméramens qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous aurons le temps de revenir sur ces détails, les détails de ces questions, mais nous aurons surtout le temps de vous dire ce que le gouvernement de la République, avec évidemment la police, nous avons pris comme mesure pour sanctionner ces comportements et éviter que ces actes ne puissent servir de ferment à une forme de généralisation qui se détiendrait sur toute la police qui est faite des hommes et des femmes braves. Nous aurons aussi l'occasion de faire le point rapidement de la continuité ou de la poursuite des actions concertées ciblées que mènent pour le moment les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de la défense de l'Ouganda. Voilà, ce sont des points qui feront l'objet de nos entretiens. Avant d'avancer dans le briefing de ce jour, je voudrais, en accord avec la technique, demander la diffusion d'un élément qui a été produit cet après-midi à Goma, parce que dans notre nouvelle stratégie des communications, il est important que vous puissiez le comprendre, nous avons décentralisé. Dans le Nord Kivu, il y a un porte-parole militaire qui s'appelle le général Ekenge. Et donc, après les actions de ce matin, il est important que Goma soit d'abord le premier point de départ de la réaction, parce que comme nous travaillons en synergie, et puis nous aurons le temps de donner la position du gouvernement par rapport à tous ces événements qui, je dois le rappeler, se déroule en plein état de siège, et vous savez que l'état de siège est un régime spécial où les actes de ce genre sont sévèrement réprimés. En accord avec la technique, nous allons suivre un extrait du point de presse du général-major Ekenge. Merci. Il fallait que je donne une précision qui fait que ça crée même la confusion des missions que nous venons d'effectuer. Pourquoi confusion? Puisqu'il existe un projet au niveau régional. Je vous avais dit que le bureau régional se trouve à Nairobi et le centre de lutte contre le terrorisme dans ce bureau régional. Il existe un projet d'ouvrir une extension de ces bureaux. Et ça, c'est au niveau régional, à Goma. Quelqu'un qui a pris ça, et il a fait détourner l'opinion. Un agent de l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, 6 policiers blessés grièvement et 3 armes emportées, voilà le bilan provisoire des incidents survenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Je vous ai invité, sous instruction de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, pour clarifier cette situation qui nous met en mal aujourd'hui, la situation au sujet des faussetés, de l'intoxication, de la manipulation de l'opinion autour de l'accord signé, l'accord qui aurait été signé avec la police rwandaise, que d'aucuns auraient aperçu à Goma. Puisque moi, je suis à Goma, vous êtes des journalistes professionnels. Je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz, dans les réseaux, on raconte que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Alors, d'aucuns auraient aperçu à Goma des policiers rwandais, et je ne sais par quelle magie, si ce n'est par l'imagination fertile des esprits mal intentionnés destinés à instrumentaliser la jeunesse. Ville mortée, je ne veux pas dire manifestation dans la rue, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ils ont appelé à la ville morte. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes marchent selon le vœu de ce petit groupe de dictateurs,
Nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5h du matin, sur tous les axes, pour pouvoir laisser les bons citoyens vaquer à leurs occupations. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après le déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte se sont lancés sur les policiers. Ils sont lancés sur des policiers. J'ai connu un commissaire de police tué, son corps se trouve ici, tué par balle. J'ai connu des policiers blessés par des couteaux. Voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. Voilà. C'est entré sur les dos du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répondre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. Voilà, léger souci technique au début de cet élément, nous y reviendrons bien évidemment. C'était les commissaires généraux de la police nationale qui expliquaient clairement ce qui avait été convenu dans le cadre du mécanisme régional qui réunit toutes les polices de l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo y compris. Nous aurons le temps d'y revenir. En attendant, je vais demander au porte-parole de la police de nous faire le bilan de la journée. Vous avez vu que c'était une journée sanglante, la police a perdu ses éléments dans leur poste d'affectation. C'est des incidents que nous condamnons avec la dernière énergie. Autant les policiers subissent la rigueur de la loi pour les actes qui leur sont reprochés, autant tous ceux qui ont été impliqués dans ces incidents doivent y répondre. Et ce sera justice. S'agissant du bilan évolutif partiel, nous avons 4 personnes tuées, dont un commissaire de police qui a été abattu en son poste de travail. Il s'appelle le commissaire de police Ngapasi Munyamanzi Baudouin. Il était commandant sous SIAT, sous commissariat Rukoko, du commissariat Munigi, du commissariat territorial Niragogo. La deuxième personne à être tuée, c'est un motard qui a été tué après les après-midi, je crois, et un bébé, et puis un monsieur non encore identifié. Ce sont les personnes tuées, donc 4 au total. Et pendant la manifestation, 3 armes de la police ont été emportées par les inciviques. Ce sont des armes AK. Là, une première arme AK a été emportée au Sousiat Munigi, là où a été abattu le commandant Sousiat Baudouin. Des autres armes ont été ravies auprès des polices que nous avons toujours dit, appelé autrement police de police, que nous avons rebaptisé les polices honnête et morale. Il y a 17 blessés au total, 5 policiers, dont un par balle au niveau des fesses, 4 autres par arme blanche. Tous internés à l'hôpital de la police nationale congolaise au camp Munzenze. Il y a 12 civils blessés. Ils sont tous internés à l'hôpital CBK Ndosho. Et nous avons interpellé 11 personnes. Voilà, Excellence, les bilans évolutifs partiels pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Je crois que nos amis des médias l'ont noté. On pourra les redistribuer pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux passer la parole au général Major Kasonga pour le camp de l'armée pour qu'il nous replace un peu le contexte et c'est que l'état de siège suppose, parce que pendant l'état de siège, vous avez suivi qu'il y avait l'ordonnance qu'il proclamait, mais vous avez aussi suivi l'ordonnance portant mesures d'application pendant la période d'état de siège. Nous l'avions distribué dans la salle. Je voudrais que les généraux puissent nous faire un rappel et qu'ils nous expliquent les conséquences qu'il y a lorsque on n'obéit pas à ce que prévoient ces directives. Merci, Excellence. Il y a l'ordonnance 21-015 du 3 mai portant proclamation de l'état de siège. Tout le monde le sait. Cette ordonnance institue l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est l'ordonnance 21-016 du 3 mai, à la même date, donc portant mesures d'application. Et ces mesures d'application sont
En fait, ce qui doit se passer quand un monsieur, un citoyen, dans son comportement, dans ses attitudes, dans les actions qu'il va poser, va aller dans le sens de ne pas permettre que la sécurité soit produite du fait de l'application des mesures énumérées dans l'ordonnance portant institution de l'état de siège. À l'exemple, à l'article 4, alinéa 5, l'article 4 dit, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de notamment rechercher, ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Interdire la circulation des personnes, des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent. Interdire les séjours dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public. Et prenons le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui. La demande a été faite par certains mouvements citoyens, notamment la Lucha, notamment Veranda Muchanga, dont on connaît la nature d'activité, qui ont informé l'opinion de la tenue ou de l'observation ce jour de la journée ville morte. Et nous savons que quand il y a ville morte, c'est-à-dire la population reste à la maison. Mais le même mouvement qui ont demandé et observé et ont proposé l'observation de la ville morte demande aux gens, amène des gens dans la rue, trouble l'ordre public, s'attaque aux symboles du pouvoir, notamment les policiers à leur poste. Le colonel vient de vous le dire, l'officier qui a été tué est à son poste à Nirangongo, à son poste de travail, à son bureau. Il a été abattu là-bas. Ensuite, un certain nombre d'édifices ont été détruits par la volonté de Lucha et de Veranda Muchanga. Et donc, les forces de l'ordre devaient normalement rétablir l'ordre sans pouvoir renier. Nous ne pouvons pas accepter évidemment qu'il y ait du désordre, mais nous ne pouvons pas non plus accepter que les forces de l'ordre, dans le rétablissement de l'ordre public, puissent aller au-delà des prérogatives qui leur sont reconnues. Mais un cas est là, le commissaire a été tué à son poste, d'autres policiers qui étaient là pour imposer que les gens suivent l'ordre, observent l'ordre public, laissent passer ceux qui voulaient bien passer. Ils se sont attaqués à ces gens, ils ont ravi les armes aux policiers, ils ont utilisé des objets contondants et des pierres pour lapider la police qui rétablissait l'ordre et assurer la circulation libre. À ce moment-là, ils ont violé tout simplement la loi, la même loi qui doit protéger et policiers et population. Et dès lors qu'ils viennent la violer, à ce moment, ils trouvent les forces de l'ordre sur leur chemin, pour le rétablissement de l'ordre public, excellence, je crois, c'est à ce niveau que ceux qui ont organisé la ville morte ont péché. Voilà, et donc, on a voulu faire ces rappels pour vous remettre en contexte que la province du Nord Kivu, comme la province de l'Ituri, c'est des provinces qui sont sous état de siège. Il est compréhensible que l'on appelle à une ville morte, mais appeler à une ville morte ne signifie pas paralyser la ville, mettre de barricades partout et commettre des actes de violence, comme vous l'avez vu ce reportage sur la police. Ici, je voudrais revenir sur les motivations, entre guillemets, qui ont justifié ces comportements. Vous savez, en conseil de ministres, je pense au mois d'octobre dernier, nous avions annoncé, et quelques jours après, il s'est tenu à Kinshasa, une réunion des chefs de police de la région de l'Afrique de l'Est. Et donc, comme vous le savez, il existe Interpol qui est
la police internationale qui réunit toutes les polices. Et dans les cadres des mécanismes régionaux, il existe en Afrique de l'Est une organisation qui réunit tous les patrons de police. La réunion s'est tenue ici à Kinshasa du 11 au 14 octobre, si ma mémoire est bonne. Elle a été clôturée d'ailleurs par le Premier ministre. Je crois que si la technique est prête, nous pourrons revoir ces éléments où le drapeau de commandement a été remis au commissaire général de notre police dans les cadres de la présidence tournante de cette organisation. Après avoir pris ses fonctions, je crois que samedi lui-même s'est expliqué, il était donc de son devoir de se rendre dans les pays concernés. Pour la plupart, il y a 5 pays de 15 pays de l'Afrique de l'Est, membres de cette organisation. 5 pays sont des pays frontaliers. Le Rwanda, évidemment, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Sud-Soudan. Et donc, il est parti dans cette mission d'itinérance d'abord à Nairobi. Ensuite, il est revenu à Kigali où, dans le cadre du contrôle de la criminalité transfrontalière, il y avait un besoin de mettre en place le cadre qui permet à ces travails de se faire. Je dois rappeler ici qu'avant la période de Covid, la frontière RDC-Rwanda, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. Et donc, il est tout à fait normal que les polices des deux pays puissent être en mesure de communiquer de manière régulière. Il n'a jamais été question que les polices, les éléments de la police du Rwanda ou des policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa. Voilà un peu les images qui attestent que justement on avait remis le bâton de commandement de cette organisation régionale à la République démocratique du Congo, et c'est dans les cadres de cette mission que le commissaire général de la police de la République démocratique du Congo s'est rendu notamment au Rwanda pour voir comment mettre en place ces cadres-là. Il faut répéter encore une fois qu'il n'a jamais été question pour la police, notre police, de faire venir des éléments de la police rwandaise pour venir mettre de l'ordre public chez nous. Il n'y a aucun élément de la police rwandaise qui n'est arrivé, que tout ce qui s'est passé procède de la manipulation et de la volonté délibérée de nuire à cet effort collectif que nous devons mettre en place pour lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Je vais me faire compléter par le porte-parole de la police qui va donner un peu plus d'éléments à ces propos avant que nous puissions enregistrer vos questions. Merci, Excellence. Je crois qu'après la passation de pouvoir entre l'inspecteur général de la police tanzanienne, qui était le président en exercice de l'APCO, le commissaire général a reçu le drapeau de l'APCO pour maintenant descendre, revisiter et prendre possession de ses bureaux au niveau de Nairobi, parce que c'est là où se trouve le siège de l'APCO. C'est alors qu'il va descendre. À son arrivée, il va pour la première fois rencontrer, il va rencontrer le secrétaire exécutif de l'APCO ainsi que le membre du secrétariat technique de l'APCO de différents pays. Il va donner le planning, les orientations en rapport avec l'exécution de certains projets qui étaient en souffrance. Et après, il était dans l'obligation d'aller recevoir le bâtiment rénové et certains matériels volants, comme des équipements informatiques, du centre régional d'excellence de lutte contre le terrorisme qui est placé ou installé au niveau de Nairobi. Et maintenant, ce centre-là doit avoir des bureaux de liaison à travers les pays membres de cette organisation-là. Et donc, ce sont des extensions. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Certainement qu'il a été invité par son collègue de Nairobi pour aller visiter les différentes directions d'investigation et le centre de commandement des opérations de coordination. Et après aussi, il a été convié à une session de formation des unités spécialisées qui sécurisent le président de la République. C'est alors qu'il s'est envolé avec sa délégation pour arriver au Rwanda. La première mission, c'est faire les suivis des résolutions qui ont été prises au niveau de la 23e Assemblée générale de chefs de police de l'Afrique de l'Est.
après, procéder à la signature du mémorandum d'entente entre la police rwandaise et la police congolaise en bilatéral. Pourquoi? Parce que le long de notre frontière, comme l'avait dit à son Excellence, nous avons des criminalités transfrontalières et transnationales organisées et le terrorisme. Et donc, nous devons en principe collaborer avec les deux polices le long de frontières. Ça signifie quoi? Il y a une procédure de remise de police à police. Ça signifie quoi? C'est que lorsque le criminel recherché a posé des actes d'incrimination au niveau de la République démocratique du Congo et qu'il traverse de l'autre côté, auprès d'un pays voisin, nous n'en sommes pas habilités à le poursuivre là-bas. Mais avec les accords de police à police, avec le mémorandum d'entente, la police du pays voisin, nous nous signalons, n'est-ce pas, que voici tel monsieur avec telle morphologie, telle identité, a traversé là-bas et après avoir commis des infractions dans notre pays. Et ils vont les récupérer là-bas. Dès qu'ils les récupèrent, ils viennent nous les remettre. Mais lorsque nous ne faisons pas cet accord entre police et police, nous devons passer par la procédure d'extradition. Donc, la procédure de remise de police à police est une dérogation qui nous a été accordée, n'est-ce pas, dans le domaine des droits communs en matière d'extradition. Les cas d'espèce, évidemment, vous avez suivi, il y a un ministre qui avait traversé au Congo-Brazza et que nous sommes allés récupérer là-bas. Si on ne l'avait pas récupéré, si ce n'était pas la procédure de remise de police à police, on aurait fait pratiquement plus de 2 ou 3 ans en train de suivre, n'est-ce pas, l'extradition. Donc ce sont des mécanismes qui nous permettent de récupérer rapidement les criminels recherchés qui, après avoir commis des actes d'incrimination dans notre pays, et auraient trouvé refuge dans notre pays. Ça, c'est le premier avantage. Et comme l'avait dit M. le Conseil général, il dit, dernièrement, il y a eu l'assassinat de notre défunt regretté. Voilà. Et comment nous avions récupéré les criminels? Parce qu'il a trouvé refuge au Rwanda. Nous ne sommes pas allés là-bas pour faire des enquêtes. On a seulement fait les signalements et on l'a pris et nous l'avons. Ils ont ramené les messieurs ici chez nous. Aujourd'hui, ils comparaient chez nous ici. Donc c'est très avantageux de faire des mémorandums d'entente entre police et police et pour arrêter, n'est-ce pas, ceux qui trouvent refuge au Rwanda. Parce que qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de criminels, quand ils ont commis des infractions, des incriminations au Congo, ils trouvent refuge dans les pays voisins. Quand vous n'avez pas la possibilité d'aller les suivre là-bas, mais ils vont se moquer de vous. Mais s'ils savent que vous avez, votre pays a un accord, n'est-ce pas, de police de police, de remise de police de police et de mémorandum d'entente, ils vont faire un effort pour ne pas poser, pour ne pas énerver les dispositions de la loi. C'est un peu ça. Alors, vous voyez aussi au niveau de la frontière, il y a le vol des bêtes. On vole les bêtes ici, on les amène de l'autre côté, on vole les bêtes là-bas, on les amène de l'autre côté. Mais s'il n'y a pas cette procédure d'entente, ce sera difficile. Alors, dans le cas d'espèces, il n'a pas été question que la police rwandaise vienne chez nous. Pour faire quoi?
qu'il y a un communiqué, ça il faut qu'on se le dise, qui a été publié par la police rwandaise, disant que lors du séjour du commissaire général, ils se sont entendus, entre autres, qu'on puisse constituer une unité conjointe de la police rwandaise et la police congolaise venir chez nous. Mais heureusement, quand on fait quelque chose de bien, on ne laisse pas de traces. Mais si vous lisez très bien le communiqué, vous dira une unité spéciale de police pour collecter les données. Est-ce qu'une police spéciale de police en opération vient collecter les données? Non. Et donc, nous ne disons pas qu'il y avait mauvaise foi, mais nous disons seulement que ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été fait. Et personne ne pourra accepter en cette période. J'ai suivi là, on m'a envoyé son nom. Quelqu'un dit, je suis à la barrière, à la grande barrière, je suis en train de les voir entrer, les policiers rwandais, je les ai vus. Cet homme-là était derrière dans sa maison, derrière les rideaux, en train de faire des choses comme ça. Et ce qui a fait que ça a mis le feu aux poudres. Et donc, des personnes comme ça, comme l'excellence venait de dire le général, ils se sont trompés. Le nord Kivu, le sud Kivu est en état de siège. Je suis désolé, ils vont répondre de leurs actes. Et l'Ituri. Ils vont répondre de leurs actes. Voilà, excellence. Voilà, merci, monsieur le porte-parole de la police, pour ces éléments. Je vais brièvement donner la parole au porte-parole de l'armée pour qu'il nous fasse une synthèse de l'évolution des opérations militaires qui se déroulent entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces armées ougandaises. Merci, Excellence. Nous avons rendu public un communiqué conjoint, le 18, au terme duquel, comme il avait été convenu dans cette salle et comme nous sommes engagés à rendre compte, dans le cas de la redevabilité, de vous dire comment ça se passe, comment nous le faisons, avec qui nous le faisons, sur quel théâtre nous le faisons. Vous savez que depuis la fin du mois passé et le début de ce mois, nous avons commencé des grands travaux pour rendre fluide le trafic sur l'axe routier, les axes routiers, disons, Mbau Kamango, Semuliki, Semuliki Nobili, à la frontière avec l'Ouganda, en perspective de rendre faciliter les déplacements de populations, mais également aux hommes de troupes pour qu'ils se déplacent, qu'ils aillent où ils veulent, et pour bouger et déplacer notre logistique à utiliser pour mener des opérations de manière autonome, mais également sécuriser ces déplacements afin que rien ne puisse arriver ni à nos populations, ni à nos troupes, encore moins à nos engins. Et des travaux ont été exécutés et tous ces tronçons-là, ces axes routiers, ont été complètement réhabilités au point de rendre assez facile, et très facile d'ailleurs, les déplacements de nos hommes, les déplacements de la population, la reprise de l'activité commerciale, la reprise de toutes les activités, y compris des motards et la population. Et en première quinzaine de ce mois, nous avons procédé conjointement à des bombardements de cibles bien précises, de points précis, disons, à des endroits bien de bivouac identifiés, localisés, notamment les Kambiadjoua, autour de ces campements-là. Il y avait Tondoli et Kainama dans les territoires de Béni, que nous avons totalement nettoyés. En Ituri, nous avons détruit des bivouacs ennemis à ce qu'ils ont baptisé Madina 3,
En fait, Madina, c'est en fait un nom d'emprunt qu'ils ont pris. Après qu'on ait détruit Madina à Beni, et New Madina toujours à Beni, ils ont, en arrivant à Biakato, au-delà de, dans l'Ituri, ils ont baptisé un autre endroit, Madina 3. Et Bantonga, Kitumba, Mulangu, et Nyapanga, nous avons nettoyé ces bivouacs. Nous avons capturé 35 ADF et dans les territoires du Rumu. Et nous avons fait ce travail également à Makeke, à Makumba et Makumo, sur l'axe Makeke-Biakato, évidemment, sur la nationale numéro 4. Pendant que nous faisions ces opérations avec succès, nous avons demandé, nous avons lancé un appel à notre population conjointement, troupes ougandaises, les unités engagées et troupes congolaises. Nous avons lancé un appel en direction de notre population pour demander, lui demander de nous soutenir, de dénoncer l'ennemi là où il est pour réduire sa manœuvre de mouvement, de manière à l'affaiblir davantage parce que nous avons l'ascendance avérée sur l'ennemi. Ce qui nous permet d'évoluer sans beaucoup de difficultés et toutes ces opérations ont eu pour effet de nous permettre d'évoluer et d'aller vers les objectifs que nous ne pouvons pas vous citer, mais nous allons vers ces objectifs méthodiquement, de manière professionnelle, afin que d'ici là nous puissions vous dire dans tel secteur nous avons nettoyé tel autre bivouac ou avons capturé l'autre objectif militaire et ça s'est passé de manière prévue conformément à la planification. Pendant qu'on est en train de faire ce travail, nous avons arrêté un collaborateur à Beni aujourd'hui, monsieur Kamale Kaobula, président de la société civile de Mao. Il est président de la société civile dans les territoires de Beni. Mais les collaborateurs, c'est lui qui voit passer les troupes, c'est lui qui observe tout le mouvement et informe l'ADF. En Ituri, en ce moment, nous sommes en train de procéder à la fouille au village Sokotano, à plus ou moins 25 km de Komanda. Pourquoi nous procédons à la fouille dans ces territoires? Tout simplement parce que l'ennemi, très affaibli après les bombardements, très affaibli après l'exploitation du terrain, en train de fuir dans tous les sens, alors nous sommes en train de faire la fouille pour le recueillir, le prendre et le neutraliser afin de davantage sécuriser nos populations. Excellence, je vais m'arrêter là parce que tout le reste, ce serait les éléments probants pour pouvoir permettre à nos militaires d'évoluer en sécurité. Parce que ce n'est pas ici les lieux de dire à nos partenaires ce que nous comptons faire demain, mais nous vous disons, la fouille continue, nous avons bombardé des positions bien précises et nous sommes en train de fouiller dans ces positions-là pour pouvoir recueillir tous les éléments que demain, après-demain, nous viendrons mettre à votre disposition, que vous sachiez comment nous travaillons, quels sont les résultats que nous avons obtenus après l'exploitation, c'est-à-dire après la fouille et le ratissage dans les zones bombardées. Merci. Voilà, merci monsieur le porte-parole de l'armée pour nous avoir donné toutes ces indications. Il nous reste 15 minutes. Je crois que nous pourrons aujourd'hui avoir une question par personne. Vous avez compris la particularité du briefing de ce jour. On va commencer par Innocent Olenga. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Pour ce qui est arrivé à Goma, nous compatissons beaucoup pour les familles des policiers qui ont perdu leur vie et souhaitons que leur âme repose un peu. Mais je voudrais poser ma question au porte-parole de la police, le colonel Mwanamputu. C'est notamment au sujet de ce qui est arrivé à Kinshasa,
la semaine du 13 au 19, nous avons connu 4 bavures sérieuses de la police. Le décès de notre confrère, caméraman de Antenne A, le décès du jeune homme pour une histoire de véhicules volés, l'humiliation du gouverneur du Congo central, et enfin, ce qui est arrivé au ministre d'État des infrastructures. Et tout ça, c'est sur les dos de la police. Mon colonel, pour la réforme de la police nationale, ses partenaires de la RDC ont été impliqués. L'Union européenne pour la modernisation de la gestion des ressources humaines et la construction des infrastructures, la coopération britannique, DFID, pour la formation des polices de proximité, la coopération japonaise, JICA, dans plusieurs formations des bases à longue durée, les États-Unis, dans la formation de la police des frontières et des mines, la coopération française, la question arrive s'il vous plaît, coopération française dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la police fluviale et la police judiciaire, la coopération allemande dans la formation des officiers de la police judiciaire et de la protection de l'enfance et la lutte contre les violences basées sur les genres, et enfin les PNUD dans la formation des polices de proximité. Dans l'article que nous avons publié ce soir, nous nous sommes posé la question à quoi ont servi toutes ces réformes soutenues par les partenaires de la RDC. Mon colonel, mon Mpoutou, je souhaiterais que vous me regardiez dans les yeux. Êtes-vous fier du recrutement des policiers ou des personnes devant devenir des policiers de la RDC? Cette question vous est posée. Merci, Innocent. Parce que la police... Une autre, s'il vous plaît. Permettez qu'on prenne... J'ai terminé, c'est la question. Terminé. Justement, je vous ai posé cette question parce que dans la police, on retrouve des enfants et des femmes, des policiers décédés qui remplacent automatiquement leurs parents et leurs maris. Êtes-vous fier de ces recrutements? Voilà, on va prendre les autres questions, comme ça il y répondra une fois pour toutes. Richard Chaco, et puis ce sera Patrick et Alain. On ne va pas aller long. Soyons droit au but, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ma question, je la pose toujours au porte-parole de la police. Mon colonel, au-delà de ce que Innocent Olenga vient de dire, je voudrais savoir, vous expliquer, comment la police procède s'il faut aller arrêter quelqu'un ou interpeller quelqu'un s'il y a un mandat d'arrêt. Je prends le cas du gouverneur Atou qui nous a fait allusion. Est-ce qu'il manquait de véhicules pour, par exemple, prendre quelqu'un qui résistait et qui était sous un mandat d'arrêt, le mettre à bord du véhicule pour l'amener, ou c'était une façon de l'humilier? Comment vous avez interprété d'abord l'action posée par la police, surtout sur le gouverneur Atou Matubwana? Merci. Merci. On va prendre Patrick et Allé. On prendra Eric Izami. On va terminer par vous en Lingala. On prendra 5 questions, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Moi, j'ai juste 2 petites questions. La première, c'est au porte-parole de l'armée. Y a-t-il un deadline par rapport aux opérations menées en cours? S'il y a un deadline, pouvons-nous savoir c'est fixé vers quand? À monsieur le porte-parole de la police. Vous comment? Monsieur Patrick Gayali. Y a-t-il eu une demande de la police rwandaise pour pénétrer notre sol? Je ne dis pas qu'ils ont pénétré, mais je demande s'il y a eu une demande formelle de leur part. Merci. Merci. Eric Izami. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Je voudrais aller tout droit au but. Notre pays a enregistré plusieurs colloques, conférences, etc., etc. Au nombre de recommandations, ça revient souvent, on dit à la police, notamment, de ne pas utiliser les munitions létales qui tuent. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que nous passons véritablement à des opérations de maintien de l'ordre, parce que je plaide ici le cas de mon frère, de mon confrère, Jean-Marie
le Zingou, avec lequel je partageais la même rédaction. C'est avec peine au cœur, père de famille. Quand est-ce que nous passerons à l'utilisation de ces munitions-là en caoutchouc, par exemple? Et puis, j'ai un souhait à émettre. C'est au monsieur le ministre que je le dis, porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre Patrick Mouyaya Katembwe. Pourquoi ne pas retirer carrément l'arme aux policiers et leur donner, par exemple, le matraque, je ne sais pas, un autre élément, et laisser les armes aux éléments de l'armée nationale FARDC? Un petit souhait, merci. On va prendre la dernière question en lingala et puis on pourra répondre. Merci, son excellence. Question langaï, s'adresser s'il vous plaît. Fabrice Yembo. Fabrice Yembo. Na colonel Mwanamputu. Intention nini oyo la police ya Rwanda basala ki communiqué wana. Ya ngonde et meni moto na kati ya République démocratique du Congo. Deuxième question, Isali, est-ce que vous allez maîtriser les policiers na biso ya Congo qui no ko kene ko beta ministre na ba député Masasi pambate to zalaki sur place to monaki ndenge nini ba imboka bazokaki petit suko kwana bazali toujours na danger mesure nini bozui. Merci. Voilà, merci pour toutes ces questions. Avant que je ne passe la parole au porte-parole de la police, il faut rappeler un certain nombre de choses. La première chose que je tiens à rappeler, c'est d'abord la bravoure de nos policiers et de nos militaires. Au-delà de tout, ce sont des hommes et des femmes qui se sacrifient pour notre sécurité. Première chose. Deuxième chose, pour tous les incidents que vous avez mentionnés, des actions disciplinaires ont été engagées. Vous avez suivi le procès en flagrance qui a commencé aujourd'hui. Je vous informe que les agents de la police judiciaire de parquet ont été appréhendés. Ceux qui ont offert ces tristes spectacles autour du gouverneur Atuma Tubwana. Je vous informe aussi que ceux qui ont, et je l'ai annoncé hier dans la soirée, que le commissaire responsable du groupe des Gémis, du groupe Ouest de la police, qui a été à la base des incidents hier, a aussi été interpellé. L'auditeur général est très sollicité par ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des investigations qu'il faut se faire. Et hier, vers à peu près minuit, j'ai pris la parole pour justement d'abord exprimer la solidarité du gouvernement pour la famille de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et rappeler que le respect des droits humains, c'est un élément fondamental dans les règles d'engagement, que ce soit pour la police et pour l'armée. Mais il faut aussi qu'on se rappelle tous que quand vient la police, on les appelle forces de l'ordre. Quand il y a usage de la force, il y a des dérapages. Il peut y avoir des dérapages. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Au contraire, nous allons travailler étroitement, et c'est pour ça que vous voyez régulièrement, je m'ai fait accompagner des porte-parole de l'armée et de la police, parce qu'ils méritent notre soutien. Et nous allons travailler dans l'avenir pour voir comment améliorer les rapports qui existent entre les civils, d'une part avec les policiers, et d'autre part avec les militaires, car c'est sur eux que repose la responsabilité de notre sécurité et de notre pays. Mon colonel, vous avez la parole pour 4 minutes pour ramasser toutes les questions. Merci, Excellence. Je voudrais répondre rapidement à Innocent. C'est vrai, vous avez soulevé un point en disant on retrouve des enfants et des femmes, des policiers décédés qui viennent remplacer leur mari ou leurs parents décédés. C'est vrai, c'était à une certaine époque, ça fait pratiquement très longtemps, avant qu'on commence par la réforme de la police, les différents partenaires techniques et financiers que vous avez cités là-bas. Mais ces genres de pratiques ne sont plus d'usage. Hein? Donc ça, pratiquement, vous devez oublier, mettre une croix. Et les réformes, à quoi ont-elles servi? Effectivement, ils ont servi à beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on a formé la police nationale congolaise, c'était des polices militarisées qui venaient de différentes fractions militaires.
et qu'on devait pratiquement commencer par leur donner la formation, leur inculquer, n'est-ce pas, la profession de la police. Et aujourd'hui, vous avez des écoles de police. Et si vous voyez dans la nouvelle loi portant organisation et fonction de la police nationale congolaise, on a élevé la direction de formation à une direction générale de formation. Et nous avons une académie de police, nous avons des écoles de police. C'est pour dire que nous sommes en train de... l'autorité, comme si le commandant suprême a la volonté et dans sa vision à ce que la police devienne une police professionnelle. C'est pas du jour au lendemain, hein, c'est un processus. Mais soyez rassurés que la façon dont vous nous avez connus il y a 20 ans, ce n'est plus la même façon que vous allez retrouver maintenant au niveau de la police. Il y a de l'excellence. Mais les bavures ne manquent pas parce que ces mots-là, c'est un mot d'emprunt. Hein. Les bavures, quand vous allez, policier, vous allez à l'étranger, vous allez vivre plus que ce que vous avez vu ici. Alors, monsieur Richard, comment la peine procède-t-elle pour appréhender quelqu'un? Est-ce qu'il manque de véhicules? Je crois que jusqu'à humilier le gouverneur du Congo central. Il ne s'agit pas de la police nationale congolaise qui a appréhendé le gouverneur. Vous devez enlever ça de la tête. Lorsqu'on a fait le regroupement de la police judiciaire de parquet à l'époque, on a demandé à ces policiers-là de venir intégrer la police. Mais il y a une partie de ceux qu'on appelle des réfractaires qui ont refusé de venir. Ils sont restés au niveau de la justice. Et à l'époque, le ministre qui était au Sénat comme président, je crois, il a pris un arrêté pour formaliser ceux qui sont restés. Et ce sont ceux-là qui sont allés arrêter les ministres. Ce ne sont pas des policiers. Alors que parmi eux, il y a de ceux que le président venait de nommer en grade, qui refusent d'intégrer la police nationale congolaise. Ils préfèrent rester là-bas pour qu'il y ait cette confusion qu'on dit c'est la police nationale. Non, non, ce n'est pas nous. Ce sont ceux qui sont des réfractaires, qui sont restés là-bas, qui sont en civil et qui veulent se comporter comme les policiers. Voilà. Toute cette brutalité que vous avez vue là, ce n'est pas nous. C'est eux. Alors, Monsieur Patrick, vous m'avez posé la question, est-ce que la police du Rwanda a demandé formellement, a fait une requête formelle pour entrer chez nous? Non. Ils ont demandé qu'on signe un mémorandum d'entente pour la remise des policiers à police. Et puis d'ailleurs, je vais vous poser la question. Je vous dis ceci. Monsieur le commissaire général, en sa qualité, n'a pas qualité. Il n'a pas compétence. Là où il est comme commissaire général, de signer un accord pour qu'une police étrangère entre chez nous. Il n'a pas qualité. En droit, nous disons, il est incompétent. Quelqu'un qui est incompétent, est-ce qu'il peut poser des actes de telle nature? Je crois que maintenant que j'ai utilisé un terme propre, comme l'excellence a dit qu'on utilise des termes propres, le commissaire général est incompétent. Notez, il est incompétent de signer des accords avec les polices étrangères pour que les polices étrangères viennent chez nous en RDC. Donc, il est incompétent. Donc, comme il est incompétent, aucune police ne peut venir ici par sa signature. Quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la nature de l'accord. Colloque. Non. Vous voulez qu'on nous arrache les armes, arracher les armes, vous avez demandé à son excellent d'influencer pour qu'on nous arrache les armes, qu'on nous laisse les matraques. Très bien. Et qu'on donne les armes à l'armée. L'armée, c'est pour l'intégrité du territoire, nous, c'est pour vous sécuriser. Je vous donne un casus. La nuit, à 1h du matin, des bandits armés entrent chez vous. Vous appelez l'armée ou la police. Vous allez appeler la police. Alors la police vient avec les matraques. Ils opposent les matraques comme ça aux hommes armés. C'est ce que vous voulez? Non. Chez nous, à la territoriale, il y a des groupes mobiles d'intervention pour traquer ces gens-là qui ont des armes. Lorsqu'on aura perforé les plombs, va perforer leur peau, ils sauront que ce n'est pas facile de venir
ôter la vie des paisibles citoyens. C'est comme ça que nous avons les armes. Donc il y a les groupes mobiles d'intervention qui sont là pour chercher à insécuriser les bandits à main armée. Mais quand on prenait l'appel au secours, nous on ne vient pas avec les matraques. C'est quand on les aura maîtrisés, c'est alors qu'on peut les menotter. Mais avant que les menotter, ils soient à couvert, nous sommes à couvert. Donc on évolue. Si tu ne sais pas la tactique, tu vas enlever les habits, tu vas fouiller. Parce que lui là, c'est un militaire formé, un policier formé qui tire sur toi. Tu ne lui opposeras pas la Bible, ni la soutane, ni la matraque. Tu vas tirer aussi sur lui. Quand il verra que la balle siffle à ses oreilles, il dit « Ah !» Il ne faut pas que je reste ici. Voilà pourquoi nous avons les armes. Mais il y a une catégorie qui n'a pas d'armes. C'est la police territoriale. Malheureusement, lors des opérations de maintien de l'ordre public, nous devons utiliser des armes non létales. Entre autres, les grenades lacrymogènes, les grenades Condor assourdissantes, quand ça tire ici, vous pensez que c'est une bombe, mais alors que c'est une grenade assourdissante, Condor. Et donc, et puis aussi, nous devons avoir ça. Parce que ça discipline tout d'abord. Oui, vous avez raison, excellence. Il a bien compris. Fabrice, à Lingala. Police, il y a Rwanda. Et c'est un communiqué pour une base qui n'a pas été montée à Niniwana. Tant qu'on a un basala qui moukili, à cela qui l'eau, l'an a l'effet. Alors que Batemouté m'a dit qu'il n'y a pas l'effet. Batemouté m'a dit qu'il n'y a pas l'effet. Il y a toujours un comportement, deux comportements d'un homme. Alors je vous retourne la question. Basala qui a compris la ligne, vous avez compris. Moutera ma bé, bien n'y a pas évité. Mais, nous avons ça qui fait le nom, la Lola. Pourquoi la police basée la maîtrise à combattre la massage? La discipline des faits a toujours été enseignée au centre d'instruction. C'est vrai que, vous avez dernièrement, nous avons montré à la télévision des faux policiers qui sont en train de recruter des policiers, vous avez vu ça. Il y a toujours quelque chose de mauvais dans la communauté des hommes. Et en tout cas, moi je pense que la ville de Kinshasa ou la République démocratique du Congo, lorsque vous regardez les statistiques de criminalité, de tueries par seconde, nous ne sommes pas à la première position. Voilà, on va donner la parole une minute au porte-parole de l'armée pour répondre aux préoccupations qui lui sont destinées. Et puis on va clôturer parce que nous devons céder l'antenne pour le journal. Oui, Excellence, il y a une question qui vient d'être posée. Et c'est M. Yengo Fabrice qui demande s'il y a un délai pour les opérations avec l'UPADF. C'est cela? Oui, les opérations militaires sont planifiées de manière à atteindre un objectif qui est celui de faire chercher, c'est la paix. Vaincre l'ennemi, les détruire et produire la paix. Alors si je vous dis aujourd'hui, nous avons planifié une opération pour 20 jours et que dans les 20 jours nous n'avons pas les résultats, dès demain quand je viendrai ici avec le ministre pour rendre compte, vous direz, vous aviez déclaré 20 jours, vous n'avez pas atteint les résultats, vous n'avez pas produit les résultats qu'on attendait, donc vous nous avez menti. Parce qu'ici, c'est facile de coller l'étiquette. Non. Nous, en tant que Congolais, forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons mission constitutionnelle de produire la paix, quoi qu'il en coûte, sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas parce qu'une force amie peut mener des opérations conjointes sur un espace bien réduit, sur un territoire, bien un endroit bien précis, que nous pouvons dire, nous allons mener à l'arrêté de main. Le chef de l'État, commandant suprême, a bien parlé, il a dit, il a donné un délai, il a déterminé une période au cours de laquelle, non seulement le délai, mais aussi l'endroit sur lequel, l'État sur lequel, tout cela va se dérouler. Et au terme de cela, ça va s'arrêter net. Nous, en tant que votre armée que vous payez chaque mois, nous allons continuer nos opérations chez nous, en manière autonome, de manière indépendante. Voilà, le président de la République avait dit qu'il s'assurerait aussi que cela soit court. Nous vous remercions pour votre participation à l'exercice de ce soir. Je rappelle que la volonté du gouvernement est d'assurer la sécurité
à tous les Congolais, tant pour ce qui concerne les tâches de la police que pour ce qui concerne les tâches de l'armée, et que tout contrevenant à cet ordre doit répondre devant la justice. C'est l'exercice qui a commencé. Je crois que nous avons tous, vous les médias particulièrement, vous avez les devoirs de nous accompagner pour lutter contre les fake news, parce que vous pouvez voir ce que ça peut produire. Nous avons vu la journée sanglante d'aujourd'hui à Goma, et personne ne peut demain matin brandir une seule photo d'un seul policier rwandais qui est dans la ville de Goma. Alors je crois qu'il est de notre devoir à tous de briser cette chaîne de mauvaises nouvelles et de rassurer nos populations de cette partie du pays, parce que justement, traumatisés par le passé que nous connaissons tous, qui est douloureux, mais le président de la République a fait le choix de construire la paix, de placer la région de Grand Lac dans une dynamique de développement. Et pour faire les développements, nous devons avoir la sécurité, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Merci et bonne soirée.